Ah oui, c'est les maths. Intéressant. Ah, bien sûr. Excuse, je peux t'aider? Ouais, pourquoi pas. Hein. Le mathématicien. Let's go. Hein. Calcul mental, c'est parti. Moi? Je suis Mecha Koopa, mathématicien. J'ai découvert le théorème de Mecha Koopa. Je peux t'aider théoriquement, non? Bah oui, pose une question. Personne qui aime les maths, bien, j'ai trois questions pour toi. Si tu réponds correctement à toutes, je te donnerai un catatruc. 10 plus combien est égal à 9... Non, 10 plus combien est égal à 1000? 999, correct, deuxième question. 10 fois combien est égal à 1000? 100, parce qu'en gros, on rajoute sur un zéro. Et en gros, quand tu fais une multiplication de 10 par dizaine, en gros, ça fait 10 fois 100, ça fait combien? Tu rajoutes un 0, tu rajoutes, tu comptes tous les zéros ensemble, donc ça fait 1000. Voilà. 10 fois combien est égal à 0? Techniquement, c'est faux. 10 fois combien? Non, c'est pas divisé. Ok, genre, j'ai rien dit. Wow! Wow! C'est divisé par 0 qui est impossible. C'est 0, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut, Anne! Ah, Anne. Ah, Pluton, excuse-moi. C'est correct que le score parfait, excellent, excellent, brillant même, tu as été grandiose, tu es un génie. Génie des temps modernes, tu es un prodige du maths, tu as mérité le catatruc. Oui, parce qu'en gros, c'est divisé par 0 qui n'existe pas, c'est impossible. C'est moi qui ai juste fait un peu n'importe quoi. Catatruc est tombé du ciel, tout le monde à Champiville doit en avoir, tu les collectionnes. Non, peut-être que tu vas les remettre de leur. En gros, c'est chaque premier niveau que tu vois sur ton chemin te dit cette phrase. Donc en gros, avec Peach, on serait arrivé là et nous aurait dit ça. Félicitations, tu as réussi un catatruc, je dépense ton catatruc, encore 16 missions à remplir. Oh, on est déjà rendu à 16! On avance quand même vraiment assez rapidement. Baboum! Let's go, hein. Gauche droite, lance bombe accélérée, détruit les statues en lâchant les bombes bon moment. On l'a fait ça tantôt, oui, ok. On va essayer de mieux se prendre cette fois-ci, hein. Ça commence bien. Ça commence même très bien, je dirais. Ça, je l'ai lancé un peu trop vite. Ouh, nice. Non, mais... Je disais que ça avait bien commencé, mais là... Sérieux. Merci. Ouh! Tellement de difficultés pour aucune raison là-dessus. Voilà. Bien fait cette fois-ci. Parapapara. Aussi, je le dis à la petite informative, je le dis de temps en temps, je le dis pas non plus trop souvent, mais si jamais vous voulez supporter un petit peu la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. Et non juste faire un follow, mais vous abonner à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, vous avez l'avantage d'avoir des petits emotes qui sont à côté, vous avez en plus le petit emote comme quoi vous me soutenez. Ça serait juste pas gentil, vous pouvez le faire simplement si vous pouvez le faire, sinon faites-le pas, c'est pas une obligation pour regarder les streams, aucun problème là-dessus. J'aime juste le dire de temps en temps, parce qu'il y a des fois des gens qui ne savent pas. Je suis l'entraîneur de Chip Chip, tu aurais une minute à m'accorder? Ouais. Le track du nageur, pourquoi il est stressé? Merci, je vais te raconter. La compétition est dans 2 semaines, mais Chip Chip est distrait. Il manque sûrement de confiance en lui. Tu crois que tu pourrais l'aider? Bah oui. Merci, il y aura une réponse à la clé. Commence par faire la course contre lui. Tu devrais perdre. Pour l'encourager un peu, il faut que ça ait l'air naturel. Ok, parfait. Ça ne sert à rien, mais je vais essayer. Non, t'inquiète, ça va bien aller, Chip Chip. Confiance en toi, hein, Chip Chip. Allez, on l'encourage, Chip Chip. Allez, Chip Chip. Attends, le... Oh, oh. Faut que ça ait l'air naturel quand même. Vas-y, Chip Chip! Chip, je suis en train de te battre! Force un peu! Force un peu! Non! N'abandonne pas! Ok, là je suis genre. Oh, ouais. Allez, Chip Chip! Non mais. S'il te plaît, Chip Chip!
Ok, on va. Tu peux me dépasser? Allez, Chip Chip! Non, mais il est vraiment nul. S'il y a vraiment une compétition, je lui donne vraiment pas beaucoup, hein. Ouf! Quoi, j'ai gagné, incroyable! Ouais. T'as gagné, mais t'es vraiment nul. J'ai gagné, entraîneur, j'ai gagné. Bravo, mon garçon, je suis fier de toi. Wow, hurrah! Elle s'est perdue du temps à l'entraînement, j'ai la pêche. Merci, elle a retrouvé sa confiance en lui, il n'avait plus de soucis pour lui. En remerciant, voici ce qu'a ta truc. J'aime le fait que je suis la seule personne qui pouvait l'aider, hein. Tu sais, il n'y avait aucune autre personne qui pouvait nager pour l'aider, hein. Et je suis pas sûr de la médaille d'or, hein. L'entraîneur, un peu trop confiant à mon goût. Vraiment même trop confiant. Parce que je me suis vraiment pas forcé, puis j'étais en train de l'éclater, hein. Bon, allez, il me manque 15 missions, on est bientôt rendu à la fin. Ça se peaufine quand même assez. Ah non, t'es sérieux. Tout ça parce que j'ai pas envie de. J'ai juste pas envie de faire le mini-jeu. Allez, blablabla, non, pas vraiment. Ciao, ciao. J'espère que j'ai pas 4 encore. J'espère que j'ai pas 3. Merci. Comédie Mario. Ouh. Oh non, il est triste. Oh, salut, je suis dauphin. As-tu l'instant à me consacrer? Bah oui. Le bout en train. Let's go. Je suis prêt à rire, hein. Tu vois, je suis un humoriste. Je suis un humoriste. Mais je n'ai pas beaucoup de succès. Personne rit de mes blagues. Je devrais peut-être devenir dramaturge. Tu veux bien écouter mon sketch? Ouais, vas-y. Oh merci, si tu ris, ça me fera plaisir. Appuie sur le bouton A pour rire aux chutes. Ne ris que si c'est vraiment drôle. Sinon, je saurais que c'est un rire forcé. Si tu ris correctement, t'auras un catatruc. Ok, j'espère que je vais te faire rire. Ok, let's go. On est prêt pour la blague. Mesdames et messieurs, bienvenue! Je me suis acheté un téléphone portable. Ok, ah, c'est bien. À peine sorti du magasin, en panne. Ha ha ha. Je retourne au magasin pour me plaindre. J'avoue que c'était drôle, hein, y retourner, il était en panne. Et vous savez ce qu'il vous m'a dit, le marchand? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est un outil de prédécision très délicat. LOL, MDR. Il ne faut jamais le sortir. Ok. Ouais, dauphin. Ha ha ha. Ouais. On ne dirait pas, mais j'étais bon élève. Ok. C'était pas là qu'il fallait que je rie finalement. Il y avait une fille dans ma classe. Ok. Un jour, elle dit, je n'y vois rien. Ok. Je peux pas lire les questions au tableau. Ok. Pourquoi elle peut pas lire les questions au tableau? J'ai lu, vous savez ce qu'elle m'a dit? Non, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle t'a dit. Donne-moi plutôt les réponses. LOL! Donne-moi plutôt les réponses et pas les questions! Ouais, Le public est en forme aujourd'hui, ouais, le public est en forme aujourd'hui. Très, très, très beaucoup. Ah, finalement, j'ai pas ri au bon moment. Bouh, je n'ai pas vraiment fait rire. Quelle tragédie, je n'ai pas de talent, désolé, mais tu n'as pas le catatruc. Recommence si tu veux, je ne suis pas pour la comédie. Ah, va falloir que je recommence. J'ai pas ri au bon moment. Moi, je trouvais ça drôle, hein, que c'était en panne. LOL. Et les gars, comment on appelle le dauphin? Je sais pas, dauphin. Non, mais please. On va mieux se reprendre tantôt, hein, à rire aux bonnes blagues. Ciao, ciao, bonne continuation. Ben, pas bonne continuation, mais plutôt bonne fin de journée à toi. Et on se revoit pour un autre live. Un autre live sur un autre jeu. Qu'est-ce qui est brun et qui ressemble à un bâton? Bonne question. Dis-moi, Yashark. Qu'est-ce qui est brun et qui ressemble à un bâton? Une branche? LOL. En plus, j'ai 10.
Bof, ça sert à rien. Qu'est-ce qui est brun qui ressemble à un bâton? Un bâton. Ouf, j'étais pas prêt à ce genre de blague. Hein. Mais let's go. Hein. Ok, je vais vraiment me concentrer au moment qu'il faut que je rie. Hein. On va essayer de rire tous ensemble. Hein. Ouais, la concurrence à dauphin quand même. Hein. Ok, faut juste que je rie ou chute. Faut vraiment que je me concentre de rire simplement ou chute. Donc c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je me suis acheté un téléphone portable. Parfait. À peine sorti du magasin, en panne. Ah non, il était en panne. Je retourne au magasin pour me plaindre. Ok, donc il s'en va au magasin pour se plaindre. Et vous savez ce que dit le marchand? Non, je sais pas. C'est un outil de précision très délicate. Il ne faut jamais le sortir. Il faut que je rie ou non? Fuck, il fallait que je rie. C'est tellement pas drôle. C'est tellement pas drôle. Mais c'était pas drôle. Oh, j'ai mal tellement que c'est pas drôle. C'est tellement pas drôle. En plus, je pense qu'il va falloir que je recommence. Il va falloir que je recommence. Dis-moi pas, il va falloir que je recommence. Je pense que je vais utiliser un truc spécial. Voilà. Comme si de rien n'était. Ok, on se concentre là. Maintenant, il faut qu'on rie au bon moment, ok? Donc, en gros, il retourne au magasin pour se plaindre. Et en gros, le gars, il lui dit... Attendez, vous allez voir la chute. La chute va être insane. C'est un outil de précision très délicat. Il ne faut jamais le sortir. Ha! LOL! C'est tellement pas drôle. On peut revenir en arrière. Pas sur Game Boy Advance, il me semble. On ne dirait pas, mais j'étais bon élève. Il y avait une fille dans ma classe. Elle ne savait pas lire. Un jour, elle dit « Je n'y vois rien. J'ai les yeux fermés. » Ses potes qui se ramènent en mode « C'est quoi ce bazar-là ?» Oui, c'est exactement ça. Hein. Donne-moi plutôt les réponses. LOL. En plus, le dauphin est tellement heureux. Hein. Merci, le public est en forme aujourd'hui. Oui. C'était de la merde quand même comme jeu. Tu as ri, ça semble sincère. Non, vraiment pas, malheureusement. Je suis un génie, pas un génie de l'humour. Hein. Un vrai bout en train. J'ai de nouveau confiance. Merci de tout cœur, je me sens mieux. Comme promis, voici le catatruc. Le catatruc. Le spectacle est fini. Merci à tous. J'ai un spectacle, je dois y aller. J'espère que t'as pas de comeback ou du moins de rappel. Hein. Let's go, 14. 14 missions, maison Lakitu, c'est parti. Je m'appelle Lakitu, tu pourrais me rendre un service? Quoi donc? La réplique oubliée. Oh non, pas encore savoir des répliques. Je suis content de t'avoir demandé, j'ai une question sur Todd Force V. Je suis un fan, c'est mon grand dada. Je connais les dialogues par cœur, mais j'ai oublié une réplique. Non mais, si tu connais les dialogues par cœur, t'as pas oublié de réplique, c'est impossible. La célèbre réplique de l'épisode 28, tu la connais? Dis-la moi. Ouais, je la connais, je l'écoute. Si tu sais pas, demande à quelqu'un, trouve un vrai fan, demande-lui. Il y en a un dans l'immeuble Champy, n'oublie pas l'épisode 28. Ouais, t'as manqué les blagues de fou. Hein. Littéralement, on était sur un show d'humour digne des plus grands. Dans les crédits, je trouve que... Attends, on voit ce que sont devenus tous les personnages, je trouve ça sympa quand même, c'est drôle. Je me souviens vraiment pas là-dessus. Il y a tellement des trucs que ça fait longtemps que je me souviens plus trop de Mario Party Advance, parce que je le fais pas non plus plein de fois dans ma vie.
Ça sert à quoi les lunettes sur un dauphin? Ben, en gros, à pas qu'il se noie. Hein. C'est logique, non? Putain de lapin. Ok, là, je viens quand même d'en enchaîner deux. Good, good, good. Il m'en manque trois. Non! Ah, j'aurais pas dû sauter. Hop. Oui, pour pas qu'il se noie, c'est exactement ça. C'est logique hein, qu'un dauphin ait des lunettes pour pas qu'il se noie, parce que comme ça, il peut respirer quand il voit avec ses yeux. C'est logique, non? Ah, putain de lapin. C'est du waterproof. Ok, il manque juste un lapin, 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 il manque juste un lapin. Réussi. Starapapara! Réussi! En plus, c'était un mini-jeu qu'il fallait que je gagne parce que c'était 6 champis.